reborn. Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelque chose d'inhumain. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais quand même, on l'a vu. Waouh! Un homme qui fait un rituel et il utilise du parfum. Il met du parfum dans la calebasse. Et ça produit de l'argent. À la fin de cette vidéo, vous pouvez voir cette vidéo aussi de temps. Vous serez même surpris. Et dans cette vidéo, nous avons décidé de vous montrer des parfums que plein d'ex-satanistes ont révélé que ce sont des parfums utilisés lors des rituels. Si vous les voyez quelque part, mes frères et sœurs, faites très 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 attention parce que ce que vous allez même voir ici, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, c'est bien réel. Regardez bien. Ça peut paraître étrange, mais ça existe. C'est que souvent, sur les parfums, vous pouvez voir même des indices, des signes. Comme vous le voyez ici, on voit déjà une clé, comme si nous allons fermer ou ouvrir quelque chose. Et ce qui est étrange, c'est que c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment joli. C'est vraiment beau. Mais il y a quand même des indices là-dessus. Ce parfum, il s'appelle Secret 25K, Rituel d'Orient. On voit une clé et on voit Eisenberg. Est-ce que ce parfum est réellement un parfum pour les rituels? Mais c'est écrit, regardez là, c'est écrit Rituel d'Orient. Bon, on va dire qu'à première vue que, oh non, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Peut-être c'est juste là pour faire le buzz. C'est possible, mes frères et sœurs, c'est possible. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un rituel se définit comme une cérémonie à laquelle va participer un démon que les gens vont invoquer. C'est-à-dire que le démon, là, les gens vont l'appeler, il va même venir même saluer les gens. Et pour pouvoir bien l'appeler, il faut faire avant de passer. Regardez même la vidéo là, regardez la vidéo sur l'argent, la calebasse qui produit de l'argent, vous serez même surpris. Mais regardez encore ça, là même c'est devenu même de plus en plus clair. On voit maintenant une bougie et un parfum à côté. Mais c'est clair que c'est pour appeler les démons, c'est pour même appeler les démons. Ça peut paraître bizarre, mais ça existe. Mais là, que pouvez-vous dire? On voit déjà. Parfum magique. Et vous allez vous dire, oh, c'est juste le buzz, mes frères et sœurs. Ça a bien des effets. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo précédente. Ce que ça paraît à la fin, c'est vraiment, c'est réel. Hein? Les gens, ils utilisent toujours des rituels. Et il y a des démons qui aiment les parfums. Comme des sirènes, elles aiment les parfums. Quand vous les offrez des parfums, c'est comme si vous les avez donné quelque chose de précieux parce que elles aiment utiliser les parfums sur la terre ici parce que ça les aide à bien respirer. Sans ça, ce ne serait pas possible. Ce sont les témoignages puissants qu'on a reçus ici en Souban qui nous ont donné de telles informations. Vous pouvez chercher la vidéo qui parle de parfums sur en Souban ici. On voit même ici une coupe avec même une fumée à l'intérieur. Est-ce que vous avez remarqué ça? Une fumée qui sort de sa bouche comme si on va invoquer le génie ou le démon et faire un vœu. Ça, vous n'avez jamais vu ça quelque part. Regardez juste en bas. Waouh, c'est étonnant mes frères. Regardez encore ça. Peut-être que le génie apparaît. Regardez ça, mais un chat. Peut-être que c'est un félin. Waouh, il a même une queue. Et c'est tout fait. Hein? Bon. Regardez encore ça. Comme vous pouvez le voir, on voit un homme qui est en... Comment il s'appelle même? Il est cagoule, il a mis comment il s'appelle le truc, le vêtement qu'il porte là? Qui cache même sa tête en tout noir, comme une robe toute noire. Et cet homme est devant un livre. Comme s'il se prépare à réciter une prière.
ou des paroles mystiques même, des incantations. Et pour pouvoir bien le faire, il faut la présence des parfums magiques. Regardez encore ça. Eau, on parle de l'océan. L'océan. Eau, mer puissante. L'océan, eau, mer puissante. En plus, même, il y a même des bougies. Des bougies. Il y a une bougie ici. Il y a même des personnages, hein, les personnages de la Bible. Ces gens-là ressemblent au sein. Ils ressemblent même au sein. Non, eux, c'est pas fait d'appel. Eau, mer puissante. C'est bizarre. Ils sont tellement de noms quand même. Hein. Ici, voici un autre parfait qui s'appelle Saint Moïse. Depuis quand Moïse de la Bible a-t-il un parfum? Vous devez savoir que maintenant les choses sont plus cachées. Hein. Dès que vous voyez un nom précédé par Saint, sachez que Dieu n'a plus dans cette affaire. Ce sont les démons qui gèrent la situation. Là maintenant vous comprenez. Regardez même ici. Sur ce parfum, on voit carrément la tête de l'ange de la mort. Et une croix là. Et ce parfum s'appelle My Story of Voodoo. My Story of Voodoo, soit mon histoire de Voodoo. Bien fait le Voodoo, eux ont besoin de parfums aussi. Moi je ne savais pas. Mais c'est ce qui est écrit, vous ne pouvez pas voir à distance. Mais c'est réel, c'est ce qui est écrit ici. Le Voodoo c'est mystique, c'est une partie mystique. Même regardez ça. C'est à quoi va servir ce parfum? C'est-à-dire que ce parfum aussi servira à faire des rituels d'argent. Des rituels d'argent, puisque c'est un billet de franc CFA qui se trouve même dans la bouteille. Le saviez-vous, mes frères et sœurs, ce parfum-là, attention. Dans un témoignage, un ex-sataniste a raconté ce qu'il faisait avec ce parfum qui est ici. Et ce parfum l'était lors des rituels. Il avait dit que son dévancé lui demandait d'acheter ce parfum et de venir. C'est-à-dire que de venir avec lui pour faire le rituel. C'est-à-dire que ce parfum, ça existe réellement. Regardez comment il est bien conditionné. Il est même bien emballé. Tellement joli quand même. Hein. Mais c'est utilisé lors des rituels. Si c'est utilisé lors des rituels, c'est que ce parfum a été consacré aux démons. Et ce parfum est collecté aussi aux démons. Ça fait que quand vous l'utilisez, vous n'avez plus besoin de faire trop d'efforts dans les parties mystiques. Vous n'avez juste qu'à prononcer les simples mots. Et le démon est attiré par l'odeur du parfum. Il se retrouve dans le parfum, il arrive. C'est le seul ce qui se passe. Et si on voit succès, bon, en fait, success. Et on voit en dessous. Success multi neuro parfum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez voir une carte. Voilà, on voit une carte. On fait l'analyse ensemble. On peut voir une carte. Et cette carte est là pour quoi? C'est pas, mais c'est le parfum même qui est là devant vous. Ce qui se passe dans ce monde est terrible. Le parfum qui m'a le plus impressionné, c'est ce parfum là. On voit carrément My Story of Voodoo. C'est mon histoire de Voodoo et une tête de mort. Ça m'étonne. Voici le parfum que vous m'avez plus impressionné. Parfum Saint Moïse. Moïse est parfum depuis quand? Je ne savais pas, j'ignorais. Faites très attention. Ce sont réellement des parfums utilisés lors des rituels. Ça paraît la plupart du temps inoffensif. Mais, il y a quelque chose derrière. Il y a des choses qui sont dédiées aux démons. Il y a même une clé même là-dessus. Ça peut paraître bizarre, mais c'est bien réel.
abonnez-vous et regardez la vidéo qui arrive. Vous soyez prêts. Merci pas. Moi, c'est Codner. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, et cliquez sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire. Et cliquez sur la cloche d'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire les gens nous soutenir. En dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons. Nous vous recommandons de faire les dons via Wesley. Waouh! Merci.